3 soldats de Gédéon. Eh ben c'est comme ça, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube, ensemble avec Pasteur Maxo Almida. Eh ben chaque dimanche, oui, 5h30. Eh ben étude biblique là, li important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou ka vin prendre étude quoi sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben Pasteur Maxo Almida, oui, chaque dimanche 5h30. Eh ben allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, quitte commentaire, quitte yon message si ou gon bagay ko pa comprendre. Ka fa réponse, oui. C'est PS grand monde. Malé, 300 soldats de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand monde. Gloire à Jésus. Yes. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à l'agneau sacrifié, le triomphateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, sous notre ça, mes frères et sœurs, amis, internautes du groupe 300 soldats de Gédéon. Et en fait, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, et c'est avec un peu de joie que nous rejoignons ensemble avec vous pour nous capables de continuer à dialoguer sur la parole de Dieu. C'est encore un ami, serviteur, pasteur Almidor Maxo, pasteur de l'église évangélique Vision pour le Royaume. Et c'est toute une équipe de soldats qui travaillent pour capables de permettre que étude ça yo, réflexion ça yo rive joindre. Donc quand nous profiter saluer camarade nous capable dire notre cuisinier qui permet que joindre étude ça yo, réflexion ça yo préparer sous forme ça. Donc merci pour attention portée ensemble avec yo et merci pour commentaire que vous fait, j'ai participé dans programme là et tout support psychologique et autres. Bon Dieu bénis nous. Et vraiment content pour nous rejoindre. Alors, on a prié tout coûte pour nous capables de rentrer parce que tant yo coûte. Gloire à Dieu. Et immortel, invisible, Père éternel, nous content et nous bon gloire que vous même seul mérité pour grâce, amour, compassion et fidélité envers nous. Merci Seigneur pour le souffle de la respiration de la vie. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Et par elle, nous serons sauvés et nous sommes sauvés. Seigneur, nous bénissons et merci pour le plateau et de 300 soldats de Gédéon et qui servent nous d'un canal pour nous capables véhiculer le message de ta parole par tous les moyens. Alors, nous disons merci. Et pour l'ensemble d'interventions que nous déjà rendons disponibles sur le plateau. Et merci Seigneur Dieu pour ce groupe de gens qui nous écoutent et qui participent avec nous, qui commentent et qui réagissent, Seigneur, sur nos interventions. Et après-midi encore, nous allons avancer avec parole ou t'en prie. Même les gens ont été accompagnés nous auparavant. Jeudi encore, nous comptons sur présence. Il va guider nous tout au long de cette intervention et nous compter sur bénédiction. Et Seigneur, que parole nous est capable, efficace et puissante. Et c'est prier nous au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, mes soeurs et frères bien-aimés, je te dis à nous content pour nous rejoindre sur le plateau. Et tant écoute, mais en nous avancer. Alors, nous sommes déjà ensemble sur la création. Nous avons plusieurs niveaux dans la création. Et nous croyons que vous êtes édifié dans l'étude ça. Et nous ne pouvons pas faire trop étalage. Et nous pouvons rentrer dans une étude sur le péché. Nous pouvons rentrer dans une étude sur le péché, une réflexion sur le péché. Mais avant, n'a posé une question et n'a répondu pendant n'a réfléchi, d'accord. Alors question nous, et c'est sous péché, mais c'est pour amorcer étude qu'a venir sous péché, à bien entendu. Question nous, c'est quel est le péché le plus courant? Quel est le péché le plus courant? Quoi, c'est une question qui est capable d'intéresser un peu le monde. Alors nous pouvons regarder, voyager à travers la Bible pour nous capables de faire sortir une idée sur le péché qui serait pour nous le péché le plus courant.
Rapidement, le péché le plus courant serait, selon toute vraisemblance, le mensonge. Le mensonge, c'est-à-dire le fait de mentir. Mais bien aimé, le mensonge, de par sa fréquence dans la vie humaine, ouais, sa fréquence, c'est-à-dire façon que nous rencontrons ensemble avec lui, une fréquence très élevée, dans la vie humaine, et même les chrétiens, ils font un usage très poussé du mensonge. Par conséquent, nous sommes capables de dire que nous, mensonge là, c'est le péché le plus courant. C'est-à-dire, c'est le péché que nous rencontrons le plus. Nous rencontrons avec mensonge en pile dans la vie chrétienne nous et dans la vie humaine. Nous ne pouvons presque pas vivre sans le mensonge. Alors, avant de parcourir les Écritures, pour nous capables de prouver que le mensonge, c'est le péché le plus courant, on essaie de définir quand même le péché. Le péché se définit comme la transgression de la loi de Dieu. Alors, en termes clairs, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Transgression signifie violation. C'est la violation de la loi de Dieu ou bien de la parole de Dieu. Donc, on pêche quand on viole la loi de Dieu, les principes de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, c'est-à-dire la désobéissance ou bien la violation de la loi de Dieu ou bien la violation de la parole de Dieu. Donc, le péché peut se définir comme toute désobéissance, comme tout manque à l'observation d'une loi ou bien d'un principe établi. Chaque fois que nous écartons d'un principe établi, selon Dieu, nous péchons. C'est un manque. Donc, on pêche également quand dans ses actions, on passe outre de ce que Dieu veut, de ce que la loi de Dieu réclame. Donc, chaque fois que nous manquons à sa bon Dieu dit, chaque fois que nous passons à côté de sa bon Dieu dit, nous péchons. Nous péchons. Donc, en termes simples, c'est la définition que nous sommes capables de retenir pour le péché. Maintenant, on nous fait sortir l'idée que le péché du mensonge serait le péché le plus courant. D'abord, nous sommes capables de dire que le mensonge en lui-même est un péché. Le mensonge en lui-même est un péché. Parce que dans les 10 commandements, en Exode chapitre 20, le verset 16, Exode chapitre 20, le verset 16, la Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. D'accord? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est-à-dire, si nous dit la fausseté, si nous pas porter la vérité, non seulement contre notre prochain, mais dans notre vie, dans notre vie même, nous dit nos péchés. Parce que dans en Exode 20, verset 15, dans la parole de Dieu, qui ça nous joigne que la parole de Dieu interdit le mensonge. Alors, puisque la parole de Dieu interdit le mensonge, si moi-même avec vous fait usage du mensonge, par conséquent, nous péchons. Donc, le mensonge est un péché en lui-même. D'accord? Et vous êtes capable d'étayer Exode 20, verset 16 là, avec Deutéronome 5, verset 20. Qui censé porter le même message. Le mensonge peut être vu aussi comme un péché béquille. Nous capables de considérer le péché comme le mensonge comme un péché béquille. Ça veut dire un péché béquille.
c'est tant qu'on t'a capable dire un béquille son bagage monde prend support sous lui pour ca camper un monde qui con fracture pour pas ca camper droite ou servir d'un béquille pour prendre un support. Alors le mensonge lui-même lui servi comme un béquille parce que presque tout l'autre péché ou que l'homme besoin fait que monde besoin fait il a toujours servi avec le mensonge pour être capable de commettre péché ça pour être capable de faire péché ça pour être capable de réaliser péché ça. Et ça fait nous dit le mensonge c'est un péché béquille, d'accord, parce que il servit d'appui à un pile mais vraiment un pile l'autre péché pour ne pas dire tout l'autre péché. Bon, on a le voyage à travers les écritures, à travers la Bible. Si nous prenons par exemple Satan le diable en Genèse chapitre 3 le verset 4. Genèse chapitre 3 le verset 4. En Genèse chapitre 3 verset 4, qui ça la Bible dit? La Bible dit: alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Objectif serpent, c'était qui ça? C'était porter l'homme et la femme à la désobéissance de Dieu. Objectif lui, c'était porter l'homme et la femme à la désobéissance de Dieu. C'est ça projet, c'est ça plan. Maintenant, pour le arriver là, il pourra servir de un mensonge. Entendez bien, oui? Péché le pourra le commettre là. Péché le pourra le commettre là. C'est parce que péché, c'est parce que bon Dieu te dit l'homme, te bail l'homme une interdiction depuis dans Genèse 2 verset 17. Côté bon Dieu te dit l'homme ou capable manger tout fruit qui est dans le jardin, hein? Mais quant à le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, où vous ne mangerez rien. Ou pas qu'il ne doit jamais manger. L'homme connaît, Satan connaît, bon Dieu connaît. Kounye, hein? Pour Satan lui-même, fait l'homme désobéir à Dieu, Kounye pral passer par la voie de mensonge. Il pral servir avec le mensonge. Dans verset que nous sortons là, Genèse chapitre 3, verset 4. Ok? C'est pas venu dire l'homme, il dit femme, non. Est-ce que bon Dieu réellement dit que nous ne pouvons pas manger fruit ça? Oui, femme, non, dit oui, nous avons mangé tout fruit dans le jardin, mais quand tu as fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, bon Dieu, et papa, bon Dieu te dit nous ne pouvons pas manger. Ah, Satan dit non, mon cher, quelle idée. Non, mon cher, nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir en ken. Parce que femme nan te dit, bon Dieu te dit, si vous mangez, il y a mourir. Il dit, nous ne pouvons pas mourir en ken. Bon Dieu connaît. Il dit, bon Dieu connaît, si nous mangez, nous avons yeux nous à bouvrir, nous avons une intelligence, nous avons une connaissance bien avec mal. Mais il va mourir, nous avons mourir. Et puis, sa femme nan fait, il prend, il mange. Et bien, ça péché, oui. Parce que bon Dieu te dit pas manger, et puis lui-même, lui prend, lui manger. Satan réussit. Satan fait un, deux coups. Premier coup, c'est que lui porter l'homme à désobéir, bon Dieu, c'est objectif là. Mais pour le cas arriver là, qui ça le fait? Il baille un menti. Il baille un menti. Ça veut dire là, ouais, Satan péché parce qu'il conduit l'homme à la désobéissance de Dieu. Mais ensuite, pour le arriver là, il passe par la voie de mensonge. Donc c'est-à-dire mensonge n'a vienne jouer un rôle béquille. Parce que s'il pas ba un mensonge, il pas ta ka venir à envoyer une vérité ba yo parce que mensonge là celle ça le fait là pour le maquiller la vérité pour le cacher. Donc il servit avec un mensonge pour capable cacher la vérité, bafouer la vérité et puis il porter l'homme à désobéir. Donc c'est-à-dire Satan fait vraiment péché qu'il était besoin faire, il porter l'homme à désobéir mais ensuite enfin avant pour le ca faire ça, il ba l'homme menti. Donc, mensonge l'a servi comme un béquille. On nous continue. Caïn. Nous prenons Caïn avec Abel. Deux frères. Deux frères descendants directs d'Adam. Caïn avec Abel, c'était deux frères. Un était laboureur, l'autre était berger. Monsieur, on a dans le jardin. On a dans le jardin ensemble. Et puis, par jalousie, Caïn tuait Abel. Étant donné que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme, Caïn étant connu que tuer n'est pas bon.
tuer n'est pas bon. C'est condamné par Dieu et par sa parole. Et Caïn compte ça très bien. Mais ça n'empêche que Caïn allait dans les champs avec frère lui. Il était préparé couteau lui. Et puis, il a assassiné frère, il a tué. Genèse, chapitre 4, vous avez une histoire ça. Mais précisément, dans Genèse chapitre 4, le verset 8, dans Genèse chapitre 4, le verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La Bible dit que Caïn tue frère là, l'assassiné. Maintenant, bon Dieu, pas de secret pour lui. Job 34, verset 21 et 22, pas de secret pour bon Dieu, il compte ça, Somme 139 tout. Mais malgré que le compte ça, mais il toujours voulait que l'homme conscient de ça au fait. Et ça fait bon Dieu toujours poser l'homme question sur son affaire. Pas parce qu'elle pas connaît, non, mais il voulait qu'on conscient. Il voulait que vous réalisez état. Et puis, bon Dieu, il est Adam. Bon Dieu, il est Caïn au verset 9. Il dit Caïn, où est ton frère Abel? Côte Abel. Caïn pral ba un mensonge. Caïn pral dit comme ça. Est-ce que t'es bon veille pour m'pa konnen? Est-ce que t'es bon veille pour? Caïn pral parler en grand à bon Dieu comme ça. Il dit m'pa konnen. Est-ce que t'es bon veille pour? Donc ça nous est Caïn fait. Péché Caïn commet là, c'est le meurtre. Caïn est un meurtrier, il assassin, il assassine frère, ça c'est le péché. Condamné par Dieu. Mais pour le cas caché péché, qui ça le dit bon Dieu? Il dit bon Dieu, est-ce que tu vas me veiller pour ne pas connaître? C'est-à-dire, chaque fois que tu as un péché, le mensonge là. Mensonge pas en bas là. Ouais? À travers la Bible, nous jouons ça. Mensonge là, toujours là pour le cacher péché. Pour le barrer, pour le parler. On connaît l'Esprit bon Dieu toujours. Puis fidèle, là, met tout bas d'ailleurs quand même. Mais mensonge là, toujours là. Mensonge là, son béquille. Chaque péché, toujours un mensonge bon côté. D'accord? J'espère que nous commençons ouais, exactement qui côté mieux. Hein? N'a pas avancé, n'a pas joué avec Sarah. Sarah, femme d'Abraham. Et bon Dieu visitait Abraham, la Kaeli sous une forme humaine. En Père, Fils et Saint-Esprit. En trois personnes. Yoshita a parlé dans la causerie avec Abraham. Sarah même était dans la cuisine, il a réglé quelques activités. Et puis, dans la conversation, bon Dieu prend la parole, il dit à Abraham, l'année prochaine, l'homme retourne dans la maison, ça va être petit. Ah, deux mouns étaient avancés en âge. Et Abraham était plus grand. Sarah était un bon âge. Sarah était encore en latin monopause. En d'autres termes, ça dit que tant ouais, li pa gen mensualité là encore. Ça dit ah regarde, reste fin grand monde. Et puis ça ri dans parole là. Parce qu'il était dans cuisine, oui. Comme bon Dieu pas besoin au vin dit là, hein, li gen tant konnen. Et le ouais ça ri. Et puis il tout parle à Abraham, il dit Abraham, avant madame mouri. Il dit comme ça, madame pas konnen pas grand et impossible à bon Dieu. Et puis un petit moment après, et pour Abraham qui a justifié, il a relé Sarah. Il explique que Sarah est là. Il dit Sarah, et nous dit bah, nous donne des paroles, nous dit bah, là, et puis ou ri. Sarah dit non. Moi-même, bah oui, non. Genèse 4, verset 1. Genèse 18, verset 15. Dans Genèse 18, verset 12, yo, Sarah ri. Il a justifié. Sarah dit lui-même, il pas ri. Ou est-ce un petit verset simple, ou peut-être pas prêter attention sur lui, il y a un gros message là-dedans. Quel est le péché dans ce verset? Le péché, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi exprimé par Sarah. Bon Dieu parlait, c'est que ça, bon Dieu dit à bouche, lui, mais l'accomplit. Quelle que soit la circonstance, non, de mettre pas ouais, possibilité à bon Dieu lui-même, lui, qu'a fait ça, le dit. Donc, un manque de foi, c'est un péché. Lorsqu'on pas croit dans bon Dieu, dans la parole bon Dieu, c'est un péché. D'accord? Et comme Sarah est en ouais ça,
pour ça capable cacher péché là dans verset 15 Sarah dit moi-même batterie non bon Dieu bénoui donc Sarah cherchait couvrir péché là mais pour le faire ça il pas fait qu'un appel avec l'autre non péché que nous connaît il fait appel à un mensonge ces mensonges là j'aime dire nous les nous garder fréquence mensonge non pas qu'à dire mensonge c'est le plus grand des péchés non mais nous dit c'est le plus courant des péchés parce que quel que soit l'autre péché a toujours joué un mensonge comme un accompagnateur fidèle pour accompagner le vulgar réaliser bon Dieu bénis donc c'est pour dire que n'a continué faire rejoindre une réflexion yo, parce que question bay menti nous ouais fréquence là trop élevée ou bien d'ailleurs pas ta doué là c'est un péché le mensonge c'est un péché c'est un mal à éradiquer dans notre vie mais cependant nous elle tellement fréquent et une fréquence qui est tellement régulière mes amis le nous ouais même les convertis utilisent péché dans toute la vie foyer vie personnelle yo tout partout alors n'a pas essayé attirer attention sur ça et en fin étude là on va bien pouvoir ensemble avec nous qui en apocalypse que les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu n'a bien pour nous vivre donc on a prêté là donc n'a pas avancé par la suite pour nous capable de joindre encore d'autres versets commenter pour capable ouais vérité donc espérer que vous passez un bon week-end que vous amusez bien avec les réflexions et n'attend commentaire n'attend disons sur ça parce que ça a intéressé nous en pile bon Dieu bénis pas oublier non pour capable WhatsApp sur numéro 300 soldats et depuis qu'une question n'a répondu yo et WhatsApp directement tout m'a négligé baoul 43 48 91 80 que bon Dieu bénis nous amoli merci et bon week-end. Soldat de Gédéon. Eh ben c'est quoi ça lié, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube, ensemble avec Pasteur Maxo Almidor. Eh ben chaque dimanche, oui, 5h30. Eh ben étude biblique là, li important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou ka vin prendre étude quoi sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben Pasteur Maxo Almidor, oui, chaque dimanche 5h30. Eh ben allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, kite yon message, sou gon bagay ko pa comprendre. Y a fa réponse, oui. C'est PS grand monde. Malé, 300 soldats de Gédéon. Bon Dieu bénis.